Eh bien, salut tout le monde! Alors, ça vous rappelle pas quelque chose de ce petit jeu? Eh bien, on se retrouve sur Spyro Years of the Dragon. Donc, ce jeu est disponible uniquement sur PlayStation 1. Bah oui, c'est un jeu qui date, j'ai envie de vous dire. Et moi, je joue en ce moment sur l'émulateur que je vous mettrai dans la description de la vidéo en téléchargement. Mais pour y jouer, il faut l'émulateur plus le CD du jeu officiel, tout simplement. Donc on se retrouve pour une première vidéo détente sur ma chaîne où je mettrai une musique en fond, une musique que Atomium a fait avec son piano, donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. On se trouve sur Spyro et je vous laisse le début de la cinématique, désolé si les moments de pause bug. Les œufs sont capturés, votre grandeur. Absolument tous. Parfait. Vous êtes peut-être bonne à quelque chose après tout. Allez surveiller les tunnels maintenant. Personne ne doit pouvoir y accéder. Où sont les œufs? Les trous mènent à l'opposé des monts du dragon. Nous avons trouvé certains œufs, mais ils étaient trop lourds pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde? Les mondes oubliés. Spyro, il faut que tu y ailles. Tu es le seul à pouvoir descendre par ces trous. Ouais, génial! Allons-y! Trouve les œufs et ramène-les, Spyro. Tu es notre seule chance. C'est parti. Et voilà, les cinématiques sont finies. Alors, comme il y a écrit, que l'aventure commence. Alors, je m'excuse encore pour le bug quand il y a des pauses. Donc, on se trouve pour la première vidéo détente sur le jeu Spyro. Donc c'est un jeu que j'avais joué quand j'étais petit, c'est vraiment un super beau jeu, j'ai envie de vous dire. Il date vraiment, mais il est toujours aussi bien. Les graphismes, ils datent un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Mais je trouve qu'ils sont toujours aussi bons. Donc, si les vidéos détente vous plaisent, je pourrais refaire ça après. Et aussi, si Spyro ça vous tente, je pourrais vous faire une aventure sur lui. Un let's play comme ça s'appelle sur Spyro, c'est à vous de me demander si vous voulez. Donc je suis sur émulateur comme je vous l'ai dit. Donc je vais trouver la touche dessous. Donc espace c'est pour ouvrir le livre à la classe. C'est pour faire un zoom. Ah voilà, j'ai trouvé la touche dessous. Donc voilà, je suis sur PC alors que voilà. Vu que je peux jouer que sur PC. Donc c'est vraiment une petite vidéo détente où je me ressource un peu avec les anciens jeux. Donc je voulais aborder un petit sujet durant cette vidéo, c'est mon but sur YouTube, pourquoi je fais des vidéos et tout. Et aussi les jeux d'avant, les jeux anciens, quels jeux anciens vous jouez et que vous avez apprécié. Donc la vie en fait c'est la libellule qui se nourrit. Et il faut libérer tous les œufs de dragon tout simplement, ce qui est assez logique. Alors ce serait une vidéo de 10 minutes d'ailleurs. Allez go.
Mince, j'avais oublié vu que je suis habitué à faire la touche de saut. Mais si on fait une aventure suivie, je réglerai tout parfaitement. Alors, Isabelle, premier œuf. Hein. Donc faut juste trouver les œufs et les récupérer, mais juste, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc, on a ça pour foncer, on a le saut et on a le feu. Voilà. Mince, je vais arrêter de toucher à espace. Voilà. On peut planer, c'est vraiment super bien ce jeu. J'ai envie de savoir quel jeu vous jouez quand vous étiez petit ou si vous êtes vers le temps et tout. Quel jeu vous jouez? Donc moi c'était Spyro, Rayman et tout. Pour regarder à gauche ou à droite, appuie sur L2 ou R2. Ok, bon, on va pas lire, hein, on va pas regarder, on va pas trop faire l'histoire parce que c'est une vidéo détente. Si je fais l'aventure suivie, là je suivrai vraiment tout du début jusqu'à la fin. Là on s'en moque un petit peu. Hein. Alors, la méchante, hein, on s'en moque de ta vie. Donc pour l'instant c'est une vidéo détente, je t'ai dit là. Alors ne souffle pas. Voilà, alors là on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc franchement si cette vidéo vous plaît, je veux vraiment faire une aventure suivie. Je vais mettre un commentaire ici, ça atteint les 5 likes, je ferai l'aventure suivie. Allez, on se retrouve à vous mec. Et en fait il va me demander de planer parce que je me rappelle encore de ce petit jeu. Je pense que je n'ai jamais fini, alors si je fais une aventure, ça serait le moment de finir un jour ce petit jeu, j'ai envie de vous dire. Voilà, alors lui c'est le gros plein de soupe qui nous demande beaucoup de rubis juste pour des petits trucs. C'est un peu d'arnaque mais bon. Voilà. Oh, oui, je sais, mon pote. Moi, je vais aller planer là. Yes, là aussi. Voilà. On va prendre quelques rues. Donc, alors, je vais commencer mon petit sujet. Pourquoi je fais des vidéos sur YouTube et voilà. Donc, d'abord, je voulais faire découvrir un petit peu ma passion des jeux vidéo. Trop gens qui les voient et tout. Ensuite, j'ai vu que ça commençait à plaire et tout, qu'il y avait des chaînes communautaires. Pour avoir, c'est pas moi les abonnés qui me font, c'est vraiment les abonnés qui me font, qui regardent mes vidéos et les gens qui regardent. Voilà, donc je vous remercie tous ceux qui regardent mes vidéos, je vous remercie. Donc voilà, c'est pour ça et pour partager ma passion des jeux vidéo. Et j'ai vu que ça plaisait à pas mal de monde, donc j'ai voulu me lancer. On se moque de ta caméra, ma petite. À plus, je vois si on s'en va. Le mec il a 2 ans parce qu'on sait pas comment il a fait. Hein. Voilà. Alors les moutons. Je sais pas si je sais plus ce qu'il donne. Voilà. Ça va en fait, c'est pas si dur que ça avec une avec un souris clavier, ça va. Ah il donne des papillons pour la libellule. Parce que la libellule c'est un petit peu la vie de Spyro, j'ai envie de dire. Ou Spyro, je sais pas comment on dit. Moi je disais plus Spyro avant mais maintenant je dis Spyro. Ah il y a un œuf là-bas. Alors. Ici ça c'est un comment ça s'appelle, on peut lâcher la fille, le kangourou et après on peut le contrôler. Je sais pas vous pouvez découvrir parce que je pense vraiment faire une aventure sur ce jeu, franchement. Ça me tente bien, ça me tente bien. Et vraiment vous laissez toutes les cinématiques et tout. Alors, ah oui je sais, prendre Sheila, je pense que si je me souviens bien. Les souvenirs s'appellent Sheila. Oui Gorosu, je pense qu'au fric on sait. Il faut 300. Et en fait, elle a sauté tellement haut qu'elle peut accéder à l'œuf, tout simplement. Allez, toi, on va t'écouter, on va faire ce que tu dis. En fait, je pense qu'il faut sprinter puis planer ça. Super bien. Oui, monsieur. Voilà. Allez, on va essayer. On prend notre élan. Voilà. Et. Voilà, pépère. J'ai aperçu une chose. Et ça, c'est vraiment super chaud, je m'en rappelle pas. Si après faut faire un petit plan mais je sais plus comment le faire, donc on va aller dans un petit monde. Et mon deuxième sujet c'était les jeux que vous jouiez avant, par exemple Mario 64, Spyro, Ratchet & Clank, tout ça. Vous devez savoir un petit peu, moi je jouais plus à Spyro et etc. Donc voilà, moi j'espère que cette petite vidéo détente vous aura plu. Moi je vous dis à plus tout le monde, c'était tuto.